Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau débrief de ce match OL Monaco les mecs. Je m'attendais pas du tout à ce résultat et je pense presque personne s'attendait à ce résultat parce que ce match a été une véritable boucherie les mecs. Mais l'AS Monaco, mais tous les espaces qu'il y a dans cette défense, c'est un sketch. Il y a beaucoup trop d'espace dans cette... Comment ils font pour laisser autant d'espace? Ce n'est pas possible. Et vous avez vu, il y avait... Comment Niko Kovac gère-t-il la défense? Enfin, ils disent... Ok, toi tu te mets là, tu te mets là, les mecs, on gère. Il y a vraiment un trou de 50 mètres, mais c'est pas grave. Voilà, dès la 12e minute de jeu, quand Toko Ekambi ou Depay, bref, je sais plus, a marqué le premier but, on savait déjà que ça allait être une boucherie, limite, parce que vraiment, l'espace laissé, il avait tout son temps pour frapper, il a frappé tranquillement, but, franchement, c'était n'importe quoi. Ensuite, quelques minutes après, il va avoir même un deuxième but. Puis un troisième sur pénalty de Oussem Aouar, les mecs. Et juste avant la mi-temps, Toko Ekambi va même en mettre un quatrième, 4-0 à la mi-temps. Voilà, après la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, ça s'est un peu calmé, on va pas se le cacher. Monaco a même pu, comment dire, faire honneur un peu parce que Ben Yedder a marqué sur pénalty. Voilà, Ben Yedder toujours là. Même voilà, c'est sur pénalty, le pénalty est très bien tiré, même si Lopez l'a touché, tout ça, tout ça. Mais Monaco, les mecs, vous doivent vraiment se reprendre. Et bravo à Lyon, parce que... D'ailleurs, les mecs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, parce que sur Insta, en fait, je fais un débrief du match, mais je débrief un peu tout ce qui se passe pendant le match qui se passe. Du coup, allez me suivre, les mecs, il est dans la description. Bref, voilà, les mecs. Lyon, clairement, c'est... Vraiment, les mecs, c'est la deuxième fois qu'on voit Lyon, vraiment, avec la maîtrise de balle, enfin... On va dire un Lyon organisé. Voilà. Contre Dijon, ils étaient organisés. Ils ont gagné 4-1, tout ça. Ben là, pareil. Ils ont été très très bons. Organisés. On a vu un Lyon qui savait ce qu'il fallait faire, etc., etc. Contre Strasbourg aussi, on va pas se cacher, c'était comme ça. Mais ils s'étaient fait un peu revenir au score et c'était un peu brouillon. Mais en vrai, les deux vraiment matchs. Comment dire je sais pas comment je peux dire ça, mais deux vraiment matchs clés. Enfin. Deux vraiment matchs à prendre exemple pour Lyon, ben c'était ces deux matchs. Dijon contre Lyon, enfin Lyon-Dijon et Lyon-Monaco. Voilà les mecs, c'est la fin du débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Et les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est salut.